Vert, gris, dodu ou filiforme, peu importe. Pour la centaine d'espèces de caméléons, le rituel reste toujours le même. Après les températures fraîches de la nuit, une bronzette s'impose. Puis, pas une seconde à perdre. Quelques étirements. L'œil schizophrène et la langue aussi collante que du papier tumouche, ils sont tous enfin prêts. Ce ne sont pas des rigolos. Tout y passe. Avec une telle adresse, même pas la peine de jouer les invisibles pour approcher leur proie. C'est le chaos technique. Qu'en est-il alors de leur légendaire et supposée prouesse de grand dissimulateur ? Avec des coloris déjà appropriés à leurs différents milieux naturels, ni vu ni connu. Il est inutile pour eux de se camoufler ou de jouer les invisibles. En revanche, s'ils sont effectivement capables de changer de couleur, ce n'est là le plus souvent qu'une manifestation visible de leurs émotions. Un baromètre de leurs humeurs, si l'on veut. Effrayés ou paisibles, agressifs ou amoureux, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y passent. Arme de dissuasion ou de séduction, ces travestissements épidermiques sont également pour eux le moyen de réguler la température de leur corps face aux agressions du soleil. Une crème solaire en quelque sorte. D'ailleurs, avec les températures plus basses de la nuit, ils apparaissent pâlots et délavés. Quoi qu'il en soit, face à cette renommée surfaite d'experts en camouflage, les caméléons demeurent quant à eux blancs comme neige.